sans crier gare. Sans signe avant-coureur. La mort s'est abattue. Pour les rescapés, la vie était un combat. Peut-être la paix était-elle possible, mais désespoir et confiance font rarement bon ménage. Ainsi débutèrent 1000 ans de conflits. Entre les plus grands guerriers de tous les temps. Ils ont oublié de longue date le motif de leur querelle. Les voilà pourtant l'arme à la main, en quête d'un signe de paix. Je vais les guider. Je suis Apollyon. J'offre la guerre. Il y a bien longtemps, les seigneurs guerriers de la Légion de Fer repoussèrent vikings et samouraïs hors d'Ashfeld. Nous, chevaliers, nous étions forts, nous étions fiers, et nul n'osait nous défier. Mais, tel un fléau, la paix s'abattit sur nous. Nos seigneurs disparurent de l'histoire, et notre peuple devint faible, complaisant. Quand les invasions vikings recommencèrent, la Légion de Fer n'était pas prête. Ashfeld sombra dans le chaos. Mais les vikings, eux aussi, n'étaient guère plus que l'ombre de leur puissance passée. Quant aux samouraïs, ils n'avaient pas quitté leur bourbier depuis des années. Une nouvelle force a émergé en Ashfeld. La Légion d'Obsidienne, composée de vrais guerriers. Ils savent toujours faire la différence entre proie et prédateur. Nous venons remettre le monde dans le droit chemin. Place à l'ère des loups. Je suis Apollyon, seigneur de la Légion d'Obsidienne.
Cette année-là, j'avais envoyé mon commandant, Holden Cross, châtier un traître. Il trouva face à lui une sentinelle. Il y a beaucoup de sentinelles. Mais celle-ci allait changer notre destin. Les sentinelles. Membres d'un ordre ancien. Tombés dans l'oubli. Ils ont juré de défendre les faibles. Ce sont les maîtres de l'épée longue. Nul ne sait d'où ils viennent. Et ils se battent pour la bonne cause. Mais rares sont les élus qui intègrent leur ordre. Mon histoire commence le jour où j'ai appris que je servais le mauvais seigneur. Ervis d'Aubény. Défendez les remparts! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne. Et Holden Cross. Montre-toi! D'Aubény! Inutile d'en arriver là! Tenez-les en respect! Messire! Détruisez tout! Détruisez tout! Rendez vos arcs! Feu à volonté! Mais je suis une sentinelle. Allez! À la table! Le devoir m'appelait. Je dois avancer! Les obsidiens approchaient par le mur est. Fort était proche. Je devais défendre le rempart. C'est quand
comme ça. Tu vois? Elle est toujours parée à tirer. Ce bélier allait mettre fin au combat. Protégez-moi ! Domény, montre-toi! Tu peux sauver ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite! Quoi? T'affronter? Ce ne serait pas un duel. Ce serait une mise à mort. Alors combat, mon bras droit. Toi! Tu seras mon bras droit. Entendu. Refuser aurait déclenché un massacre. Sentinelle, lui aussi. Il sait ce qu'il devait l'emporter, mais pas pour Domény. Nous restions à leur merci.
Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire. À genoux. Pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve, moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. Nous partons. Suis-moi. C'est ainsi que j'ai rejoint la Légion d'Obsidienne. Cette sentinelle avait fait ses preuves, mais il était trop tôt pour nous en réjouir. Les Vikings s'apprêtaient à détruire le dernier sanctuaire de la Légion de Fer en Ashfeld. Ma Légion d'Obsidienne allait les sauver. De toutes les Légions, la Légion de Fer est sans conteste la meilleure. En Ashfeld, pourtant, elle se trouvait au bord de la défaite. Stone, son commandant, avait besoin d'une armée. Holden Cross m'a choisi. Sentinelle ! Où sont nos renforts ? Devant toi ! C'est une farce ? Ouvre le portail ! Ouvre la marche, Sentinelle ! Bonne chance. La bataille était jouée d'avance. Je devais y remédier. Allez, repoussez-les. Il nous fallait reprendre les flancs. Éliminons tous les Vikings pour prendre cette position de tir. Je dois prendre les flancs. Tenions la victoire. Plus qu'un dernier effort. Stone était un fou. L'un des meilleurs que j'ai jamais vu. Ah,
Shannon. Allez-vous-en de nos terres. Pas mal, Sentinelle. Pas mal du tout. J'aurais pu y arriver tout seul, mais bon. Nous avions mis les Vikings en déroute. Alors que nous achevions les survivants, le restant des légions éparses se rallia à l'obsidienne. Je crois que la sentinelle avait quelques réserves concernant nos méthodes. Je m'interrogeais sur la légion d'obsidienne. Les derniers des Vikings se sont terrés dans un avant-poste droit devant, déserté par la légion de fer. Tu veux de l'aide? Non, ça va aller. Ne te surestime pas. Tu es prêt? Passe devant. Des déserteurs? Je voulais en avoir le cœur net. Ça m'a l'air faisable. Partout où nous allons, nous faillons à notre peuple. Qu'est-il arrivé à la Légion de Fer? Attends ici. Je nettoie le pont. Viking. J'aimerais parler à ces fameux déserteurs.
ils appartenaient à la Légion de Fer. Toutes les légions prêtent le même serment. Que s'était-il passé ici ? Pourquoi vous êtes-vous enfui ? Un chien d'obsidienne a quitté sa meute. Doucement ! Tes hommes ont besoin de toi. Qu'est-ce qu'une sentinelle fait sous les ordres d'Apollyon ? L'un de nous ferait mieux de rentrer chez lui. Pourquoi vous êtes-vous enfui ? Tuez-les. Nous allions devoir nous battre pour survivre. Jamais nous ne serons les esclaves d'Apollyon. Vous valez mieux que ça. Non, super, Steph. Immonde pourceau. C'est ce jour-là que j'ai enfin rencontré notre Seigneur. Apollyon. Laisse-moi t'aider.
Savez-vous comment on appelle ceux qui attendent d'être abattus? Des moutons. Des moutons. Non. Bienvenue dans la Légion d'Obsidienne. Je tenais mes réponses, mais trop tard. Une sentinelle ne rompt pas son serment à la légère. L'heure était venue de montrer aux Vikings leur vraie nature. Nous allions frapper en plein cœur de leur terre. Mais avant cela, il nous faudrait traverser le col montagneux. Holden Cross ouvrait la marche. Là où l'ordre a disparu, où règne cruauté et anarchie, les émissaires prennent les armes. Nous faisons régner la justice partout où elle nous appelle. Nos armures sont sans égale. Leur fabrication est un secret bien gardé. Priez pour ne point nous voir. Et si vous nous voyez, priez pour ne point être coupable. La neige tombait déjà sur Valkenheim. Mais nous avancions quand même. Je suis Holden Cross. En tant que commandant de l'avant-garde, c'était à moi d'ouvrir la marche. C'est trop calme. Une embuscade, précisément ce que nous espérions. L'entrée de Valkenheim. Les sauvages. Il fallait réduire ces catapultes au silence. Il est temps d'arrêter ces catapultes. C'était tout sauf un bon plan, mais je n'avais guère le choix. Nous étions prêts pour la suite. Tirez !
Les Vikings avaient le nombre, nous, la technologie. Nous avions trop peu d'hommes pour nous encombrer de captifs. Madame, ce monstre a tué au moins 40 soldats, y compris Davis. Sais-tu comment distinguer le prédateur de la proie? Impossible, bien sûr. À moins de les voir combattre. Bravo. Je pensais que ces lois de la sélection ne s'appliquaient qu'à nous. Valkenheim, nous devions atteindre la forteresse de Svengard sans laisser aux Vikings l'occasion de réagir. Or, face à la grande falaise qui fend la vallée en deux, nous trouvâmes notre route barrée. Par chance, nous avions parmi nous un spadassin. Merci était son nom. En temps de paix, la lame de l'ordre est silencieuse. Mais en temps de guerre, les spadassins... vifs, mortels, ils peuvent gagner une bataille sans que l'ennemi ne soupçonne notre présence. Ils dansent une pavane funeste avec deux lames pour partenaires, car leur savoir peut détruire les légendes ou les forger. Notre armée devait passer. Ceux de la Grande Horde savent être inventifs quand il le faut. Bonjour, toi. Apollyon m'avait chargé d'ouvrir la route, ce que j'ai fait, bien sûr. Ces Vikings manquent de vigilance. Kaj
Stay this distance! Over here, Moses! Holden s'est égaré. Dommage. Apollyon avait raison. Le froid était notre allié contre la Grande Horde. J'avais une idée. Je ne m'attendais pas à entrer si facilement. J'étais à peu près sûre que ça marcherait. Je ferais peut-être bien de l'actionner. Si j'actionnais ce levier. Où est le mécanisme central? Sauf erreur de ma part, il ne restait plus qu'à lever l'ascenseur et profiter du spectacle. La voie est libre. Impressionnant. Ne l'encourage pas. La forteresse de Svengard. Mon but. Les vrais guerriers vikings n'avaient que trop longtemps dépéri sous le joug de leur société, de leur clan, de leurs lois.
Nous allions ouvrir leurs portes pour rétablir l'ordre légitime du monde. J'avais des questions. Madame, pourquoi cette forteresse ? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai ? Ils se soutiennent mutuellement, comme s'ils n'étaient qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux... ne faut-il pas les libérer ? J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Équivalait à la mort. Mais l'intégrité exige le doute. Protéger le bélier. Et... Chef de ce fort. Relève-toi. Ah !
C'est une bourgade. Un comptoir. Goodmander. Je sais maintenant ce qui me hantait alors. Nous sommes au pied du mur. Entrez dans l'histoire. Nous n'avons plus le choix. Combat. Va donc en enfer. Pitié. Qu'est-ce qu'on fait là ?
Tu le sais très bien. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autres récoltes. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. J'ai juré de combattre. Pour la paix. Toi aussi. Vous tous. Hey. C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout ? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions ? Ils mourraient de faim. Ils s'uniraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer. Pensée ne mit guère longtemps à se répandre à travers tout Valknheim. Au cours de l'hiver suivant, un Hersir apparut dans le clan qu'on appelle la Grande Horde, résolu à fédérer son peuple. Parfois, il naît un viking qui porte l'étincelle des dieux. Hersir, tel est leur nom. Un nom qui rallie des armées. Sans peur ni pitié, né pour le combat. C'est le destin qui choisit l'heure de la mort d'un viking. Alors, à quoi bon les armures ? Ou la peur ? Un an depuis l'attaque d'Apollyon. Depuis la famine. Les pires d'entre nous s'en sont pris aux leurs, comme des bêtes. Ils s'engraissaient sur le calvaire des siens. Ragnar était de ceux-là. Festoyons ! Et donc, je suis descendu des montagnes. J'ai rejoint la Grande Horde, et nous avons pris les mesures nécessaires. Nous étions venus régler le problème des nuisibles. Brûlez tout ! À manger ! Tu vois ? Bien, c'est pour ça qu'on est là. Trouvons ce qui reste pour notre peuple. Ces vivres sont notre survie à tous. Défendez-les. Hersir disait vrai. Les vivres étaient là.
Les vivres n'étaient pas mon seul objectif. Je venais pour Ragnar. Que se passe-t-il ici? Toi, affronte-moi. Ah. Eh bien, entre donc. Voilà pourquoi j'étais là. Pour la grande horde. Grive et colifeta. Tu mourras comme les autres. De devenir paysan. Nous sommes des Vikings. Donc ces noms. Valhalla. C'est toi le second. Rejoignez-nous. Nous sommes des vôtres. Il faisait plutôt peine à voir, mais c'était un début.
La Grande Horde commençait à mériter son nom. Très vite, il ne resta que deux seigneurs à Valkenheim. Le Hersir et une implacable tueuse nommée Siv. Comme beaucoup des chefs de la Grande Horde étaient pris en otage, le conflit fut inévitable. L'œuvre de Siv. C'est de la barbarie. Je t'ai vu prendre des scalps. C'est différent. Attends ton signal. Comptez bien libérer ces prisonniers. Je sais que c'est toi. Je dirais que c'était le signal. Le
vrai combat venait de commencer. On perd le combat. Toi, dans la Grande Horde, laissez-moi rire. Tu parles trop. Sif avait ses troupes. L'armée m'avait moi. Respecte la loi du plus fort. Nous étions à nouveau unis. Il était temps de libérer le reste de la Grande Horde. Stigander. Vous en avez mis du temps. Va en trouver qui ne veulent pas ta peau. Merci, Ersir. Ne me déçois pas, Jarl. Oh. Je t'aime bien. Il était temps de faire valoir notre droit du sang. Les Vikings faisaient maintenant front commun contre nous. J'avais laissé une partie de mes obsidiens garder les chantiers navals de Valkenheim. Stigander, leur nouveau chef, ne comptait pas nous les laisser. Certaines traditions de notre peuple sont aussi vieilles que la pierre. Le solide bouclier se prête à bien des usages. Nos épées sont mortelles. D'une simplicité jamais surpassée. Et un chef qui ne mène pas la charge n'a rien d'un chef. On nous appelle les Jarls. Un nom qui se mérite. Nous sommes... Et nous resterons le bouclier de notre peuple. Il nous faudrait des navires.
et je brûlais d'envie de me remettre dans le bain. Par la barbe d'Odin. Invasor! Bellicum canite! Ces obsidiens n'étaient visiblement pas fichus de fortifier nos défenses. Il fallait que j'ouvre ce portail. Et vite. La balise. Je plaignais presque les chevaliers. Ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les samouraïs! Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Le pillage. Oui. Nous appelait. Quête, sinon de gloire, du moins de richesse, les Vikings se tournèrent vers leurs voisins par-delà l'océan. Les terres des samouraïs étaient gardées par un ancien fort maritime que les Vikings pensaient mal défendu. La guerre d'Apollyon nous avait menés au bord de l'extinction. Mais ce raid nous rappelait qui nous étions vraiment. La première cible était un fort maritime. Mais ils s'attendaient à notre venue. Accrochez-vous !
tous. Un siècle que les portes de cette forteresse étaient restées closes. Il nous suffisait de les franchir. Pour la Grande Horde ! Tous au bord ! Chargez ! Les portes s'ébranlèrent. Tout changea. Ugh!
Maka. Banzoku me ga. Subete o buchikowashi yotte. Ono shiro wa otsuta. Mohaya hei mo oranu. Waga inochi mo hodonaku tsukiyo. Mon o hiraita no wa kisama da. Sono inochi de agare. Tu es sur mon passage. Sama no hajimeta koto da. Alonso! En ce jour, la fureur viking se rappela à nous. Le grand raid l'avait-on nommé. Et il était en marche. Pour atteindre la grande cité de l'empereur, les vikings devaient conquérir le bourbier. Cette fois, la force brute ne suffisait pas. Il leur faudrait ruser. Runa, Valkyrie de la Grande Horde, était chargée de trouver un passage. Les Valkyries, ces guerrières ont passé un pacte avec les dieux. Chacune peut se battre pour un défunt. Glorifier son nom jusqu'à lui offrir une place parmi les élus. Et elles seules choisissent qui servir. Elle manie la lance et le bouclier, toujours à l'avant-garde, et peut-être votre seul espoir de salut. Le Bourbier, un nom à la mesure de l'endroit. J'étais chargé d'ouvrir la voie. Commençons par trouver un avant-poste. Ou, je sais pas, quelque chose dans le genre. J'avais tout intérêt à partir chercher ceux que le guerrier avait alertés. Il retenait l'un de nos éclaireurs. Hey!
avait de l'activité près des quais au nord. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Je ne parle pas japonais. Bon. Et maintenant, il nous faut des cartes. Il y a un monastère. Comment le sais-tu ? Reste là. Je vais chercher des renforts. Attends-nous là. Je supposais que ce que je cherchais se trouvait en haut. Ça semblait logique. Il y a des cartes là-haut. Archer!
travail. J'avais ce qu'il nous fallait. La clé du Bourbier. La cité était à nous. Coteau, la cité impériale, juchée sur sa falaise de pierre, protégée par ses portails, ses ponts branlants et une garnison trop sommaire pour un endroit aussi vaste. La cité s'offrait aux pillards. Il fallut 3 jours pour prendre ce pont. Passer le pont, c'était toute une ville qui s'offrait à nous. Échouer à ce stade revenait à partir sans la moindre preuve de nos exploits. Ultime offensive. Ça a un portail.
Un portillon, oui. En fait, c'est pas idiot. Il a une chance. La faveur d'Odin est inconstante. Impressionnez-le par votre audace, et il vous mènera à la victoire. Mais si vous laissez votre audace se changer en orgueil, elle vous livrera à vos ennemis. Jamais l'emporter. You leave it, Corbita!
Seul le champion impérial me surpasse. Tu n'as aucune chance contre moi. Aucune. Remarquable. C'est ouvert. Nous avions réussi. Derrière ces portes, des monceaux de trésors. Le grand raid de la Grande Horde entrerait dans l'histoire. Si les commandants de la Légion de Fer l'apprenaient! Maintenant, on peut parler. Ah, ravi de l'entendre. Nous sommes vos humbles serviteurs, madame. Alors, quel est le vrai plan? La guerre. L'état naturel de notre espèce. Et pourtant, ces monstres s'en défient. Ce sont des lâches. Nous devons être braves à leur place. Nous ne pouvons pas déclencher la guerre partout. Mais si... en ralliant nos ennemis à notre cause. La cité était ouverte. Un guerrier parmi les samouraïs aurait pourtant pu empêcher ce désastre. Un Orochi qui croupissait depuis des années au fond d'un cachot. Sa captivité allait bientôt prendre fin. Les samouraïs manquent d'effectifs. Chacun de nos guerriers doit valoir 10 de nos ennemis. Chaque Orochi en vaut une centaine au bas mot. Agile, fort, maître incontesté du katana. Leurs armures allient à merveille souplesse et résistance. Ce sont des guerriers comme le monde n'en a jamais connu. Notre foyer. Nous l'avons perdu il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le sens de ce mot a bien changé. Nous avons fondé un autre foyer, mais il nous oblige à nous battre. Je ne risquais pas d'affronter quiconque depuis l'intérieur d'un cachot. Mais mes amis, ma Daimyo, ont su saisir une opportunité.
Ils incendient la ville. Nous partons. J'ai dit, nous partons. En route. C'est interdit. C'est ce genre d'attitude qui t'a valu de finir là. Nous devions traverser au plus vite. Le feu ferait l'affaire. Nous allons faire sauter ce portail. Face à un ennemi si nombreux, le feu était notre allié. Le feu, le poison et l'acier faisaient merveille. Encore fallait-il les repousser. Sous ce portail ! Il ne restait plus qu'à fermer les portails. Au palais ! Que faisaient les obsidiens dans notre ville ? De la Légion d'Obsidienne. Où est Ayo ? Les Vikings ont pénétré dans notre cité. Ils ignoraient qui ils servaient. Ah, les derniers. Demio, votre empereur est mort. Prendrez-vous sa place? Jamais. Veux-tu être empereur? Quand j'aurai tué mes trois rivaux, tu seras la suivante. Un loup.
Laissez le palais à ses jurons. Les autres n'ont qu'à se battre pour les restes. Pour qui te prends-tu ? La guerre. Je suis la guerre. J'avais laissé 5 démyo se disputer le contrôle du peuple pour mettre à l'épreuve leur unité. À ces jurons, j'avais offert le palais. Aux 4 autres, une place dans les marécages. Ayu, la démyo, fut la première à agir. Chaque armée a besoin d'hommes qui ne connaissent que la victoire. Les Kensei, chevaliers saints, gardiens de notre peuple. Tous les grands souverains depuis le cataclysme étaient des Kensei. Absolument tous. Nous surclassons tous les autres. Nos armures sont les plus solides de notre peuple. Notre volonté aussi. J'ai été la dernière libérée parmi les démyo. Bonne chasse. Bonne chasse. Apollyon s'attendait à nous voir nous entretuer pour le pouvoir impérial. Elle avait raison. Tous les démyo qui avaient réussi son test étaient des criminels de guerre. Nous courions à notre perte. Ou alors... je pouvais prendre les devants. Ranja était pieuse. Mais rien ne rachète la bassesse. Ayu. Tu oses profaner cet endroit. Tu as tué tous ceux qui te gênaient, Ranja. Tu as disgracié tes ancêtres. Dokuja était un couar. Lui qui avait tout reçu. Il n'avait jamais appris la compassion. En ordre de bataille. Si tu peux. Il y a quelqu'un. Préparez-vous. Soufflé de sang. Lâche. Plutôt fuir que mourir. Tu ne fais que prouver ce que nous pensions de toi depuis toujours, Ayu. J'avais réussi. L'empereur est mort. C'est l'œuvre de la Légion d'Obsidienne. Apollyon veut nous faire entrer en guerre les uns contre les autres. Je refuse. On nous force à rejoindre une ère nouvelle. Les Vikings.
Apollyon n'aurait pas dû me laisser en vie. Je m'attendais à ce que la guerre civile dure des années et non des jours. Mais rien n'est plus fédérateur qu'un ennemi commun. Les Vikings n'avaient pas encore échappé au Bourbier. L'Orochi, Ayu et leurs alliés s'élancèrent à leur poursuite. Sur la trace d'Apollyon, j'ai pénétré dans le Bourbier à la recherche d'Ayu. Tiens donc. Tu peux me dire où est passé Ayu? J'espère qu'Ayu est en vie. Il y a beaucoup de démiaux morts par ici. J'avais une guerre civile à stopper. Comme quoi l'empereur se trompait sur ton compte. Ils ont de la suite dans les idées. En effet. Protège les quais. On se retrouve là. Je hais les Vikings. Des archers. Contre-ordre. Pour l'heure, il y a plus urgent. C'est Juro. Apollyon lui a laissé le palais. Il faudra plus qu'un palais pour nous gouverner. Il est temps de destituer le prétendant au trône impérial. Un mois plus tard, Ayu marchait sur le palais impérial à la tête de sa nouvelle armée. Il ne restait plus alors que deux daimyos, elle et Seijuro. Mais le cours de l'histoire était entre les mains de l'Orochi. Le palais impérial. Une forteresse dans une forteresse. Seijuro, notre peuple saigne. Déposez les armes. Faut en finir. Prosterne-toi. Seijuro ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux,
Il nous fallait juste une entrée. Je n'étais pas entré dans le palais depuis 3 ans. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Le papier contre l'acier. Vivez là avant. L'ennemi est ici. Je vais te rappeler ton rang, misérable. Fuis un jour, fuis toujours. Aucun soldat ne fuirait un jour. Meurs, pauvre imbécile. L'empereur a des goûts de luxe. Notre armée est de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Ce portail. Vous n'avez aucune chance. Lâchez vos armes. Trouvez ces giraux. Rien ne nous arrêtera. Ces giraux ne doivent pas être loin.
trouver leur camion. Ces lâches fuient devant notre front. Il y avait trop de morts. Nous devions trouver ces Jureaux. Le 10e empereur, célèbre pour sa brutalité, l'un des rares qui mérite le respect. Ils ne sont pas de taille face à nous. Avait coulé. Pourtant, nous n'étions pas ennemis. Ces guerriers ne suivront personne d'autre. Tu sombreras dans l'oubli. Le champion impérial va te vaincre. Le champion impérial moisi dans un cachot à l'autre bout de la ville. Vous n'auriez jamais dû venir. Vous n'auriez jamais dû... Que vous attendez? Nous avons besoin de commandants. Tu me déshonores. Aide-nous. Tu es un grand guerrier. Je refuse de vous servir. Alors, tue-moi. Prends ma place. Commande nos armées. Tu es fou! Notre ennemi est Apollyon. Pas ces Jureaux. Je refuse de me battre pour le compte de la Légion. Champion impérial. De nouveau à la tête de nos armées. Je pars pour Ashfeld. C'est là qu'est notre ennemi.
Avant de conduire l'armée d'Ayu en Ashfeld, le champion impérial devait d'abord repérer les lieux et trouver comment parvenir sans encombre à ma forteresse. Mais Ashfeld a bien changé. Apollyon avait témoigné la même générosité envers son peuple qu'envers le nôtre. Pour comprendre ce qui se passait en Ashfeld, il fallait partir en exploration. Terminer notre reconnaissance. Sinistre. Le château n'était pas si abandonné que ça. Nous n'aurions peut-être pas dû nous mettre les chevaliers à dos. Ils se battent sans aucune discipline. Désorganisé. J'ai vu une sentinelle. Et un groupe de chevaliers qui quittaient la forteresse. On devrait les suivre. Les frontières d'Apollyon étaient ouvertes. Mais par qui ? Je la connais. La sentinelle. Une rébellion ? En sont-ils capables ? On ferait mieux d'y aller. Pourquoi ? Il était temps de partir.
Je serai d'avis de presser le pas. Ils ont de la chance que je sois blessé. Nous ne sommes pas ton ennemi, champion. Vous avez exécuté la famille impériale. Nous avons quitté l'obsidienne. Non. Ce combat est le mien. J'avais raison. Tu es bien le champion impérial. Ton armée a le champ libre jusqu'à la forteresse d'Obsidienne. Bonne chance. J'avais pu jauger cette sentinelle. Quand on croise le fer avec quelqu'un, on connaît sa vraie valeur. Les pillards vikings sont partout. Nos propres légions se livrent une guerre interne. Et voilà que le champion impérial frappe à ma porte avec son armée. Ce jour est celui des loups. À tous les renforts, ne perdez pas cette cour. Les samouraïs ont enfoncé la deuxième porte. Et voilà! Madame, la Légion de Fer est au pied de nos murs. Te voilà. Que comptes-tu faire, Holden? Enfin,
Partez. Retenez les samouraïs. Je m'occupe de la Légion de Fer. La forteresse de la Légion d'Obsidienne. Nous avions enfoncé les portes, obstrué les tunnels. Nous les tenions. Les catapultes étaient au niveau supérieur. Je dois trouver comment monter. Et d'une. Assez. Il est temps de rejoindre les autres. Je connais ce chevalier. Apollyon était là, quelque part. Elle ne m'échapperait pas. Nous devions bloquer les accès pour empêcher les renforts d'entrer. C'était à nous. Okuma et moi pouvions partir en chasse. Okuma ! Mais bien sûr, pourquoi pas ? Nous ne pouvions que monter. Je devais donner du temps à Okuma. Des flèches, soulève, vite! Avance. Tu vas y arriver. Je ne pouvais pas laisser fuir Apollyon. Je devais la trouver. Où est ta dame ? S'entretuer. Enfin, l'Empire du Levant est arrivé. Soumets-toi, Apollyon. Sans façon.
Je l'avais trouvé. Il me restait à survivre. Je viens venger mon peuple. Tu es le premier samouraï à atteindre cet endroit. Je te félicite. Les miens. J'allais devoir me surpasser. Je purgerai cette terre de ta présence. Et celui qui ne laisse pas cette certitude l'empêcher de faire son devoir. Viens donc, guerrier. Le dénouement était proche. Oh, galerie. Je dois t'achever! C'est fini. La paix va régner. La paix. Alors, et maintenant, vous rentrez tous chez vous. Vous êtes venus chez moi. À la tête de vos armées. Que croyez-vous qu'il advienne ? La paix ? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Ne me parlez pas de vos vertus. Le devoir. Le clan. L'honneur. Vous avez renié votre nature. Tu
Tu ne veux que la guerre. Tout ce que je veux est que vous acceptiez votre nature. Vous tous. Mais... Lou... Vous savez tout. 7 années de guerre et de sang. Apollyon s'est joué de nous. Elle nous a manipulés. Pourquoi? Pour tuer les faibles. Pourquoi nous as-tu appelés, Cross? Ce n'est pas moi. C'est ma sentinelle qui m'envoie. Pour s'excuser. Comment oses-tu ? Mes frères sont morts par milliers ! Vas-y, c'est l'occasion de te venger. Nous nous sommes parlé, comme ta sentinelle le souhaitait. Mais quel est son but ? La paix. La paix. Même si c'était possible, ce n'est pas notre rôle. Est-ce un but si méprisable? Eh bien, non, mais... Ah. Ici, et maintenant, disons que ça ne tient qu'à nous. Nous courons tous au suicide. Vous le savez. Mais ça ferait une belle histoire.